Affaire Depardieu, Clémentine Célarier se désolidarise de la tribune de soutien. Je me suis trompée. Face au scandale médiatique qu'a lancé la tribune de soutien à Gérard Depardieu, plusieurs célébrités co-signataires ont fait machine arrière. Mardi 9 janvier, Clémentine Célarier s'est ajoutée à la liste de ceux qui regrettent. Les jours passent, et les célébrités se rétractent. Le 26 décembre dernier dans Le Figaro, 56 personnalités publiques s'unissaient dans une tribune pour soutenir Gérard Depardieu, visé par deux plaintes pour viol et d'agression sexuelle, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne. Mais devant l'indignation d'une grande partie de l'opinion publique, plusieurs co-signataires du communiqué ont finalement fait machine arrière. Et après Jean-Claude Dreyfus, Patrice Lecomte, Jacques Weber, mais aussi José Dayen, parmi d'autres, c'est Clémentine Célarier qui semble rétro-pédaler devant le texte « N'effacez pas Gérard Depardieu ». Dans un message publié sur son compte X, ancien Twitter, mardi 9 janvier, Jean-François Guillot, célèbre journaliste à LAFP, a fait savoir. L'actrice Clémentine Célarier a dit mardi vouloir se désolidariser de la tribune de soutien à Gérard Depardieu, jugeant qu'elle s'était trompée en la signant et présentant ses excuses à celles et ceux qu'elle a pu blesser. Je n'ai pas signé contre les femmes. Parmi les personnalités publiques qui ont fait le choix de retirer leur soutien, on retrouve aussi Nadine Trintignant. Pour justifier sa signature, la mère de Marie Trintignant, battue à mort par son conjoint Bertrand Cantat en août 2003, a déclaré au Point le 29 décembre dernier. J'ignorais en signant cette tribune par qui elle était écrite. Je demande aux personnes que j'ai choquées de ne pas m'en vouloir de ma grave erreur. Le feuillet publié il y a quelques semaines a été établi par Yannis Eziadi, un comédien de 32 ans proche de Julie Depardieu, mais aussi de figure d'extrême droite. Avant la réalisatrice, c'est Steven Attal qui a tenté de pondérer son positionnement, lors d'une interview accordée à BFM TV. J'ai un malaise parce que j'ai signé cette pétition qui ne me va pas totalement, mais je l'ai signée parce qu'il y avait quelque chose de plus fort que ce qui me dérangeait dans cette pétition, avait-il déclaré dès le 26 décembre. Sans pour autant retirer sa signature, Gérard Darmon a quant à lui souhaité s'expliquer plus amplement, dans une déclaration faite au micro de RTL. Je n'ai pas signé contre les femmes. J'ai une sainte horreur, au-delà de Depardieu, des hordes de chiens, ceux qui frappent un homme à terre, le bashing, l'acharnement. Dans la foulée, une contre-tribune qui comptabilisait plus de 8000 signatures au 31 décembre a été lancée par le collectif Cerveau non disponible. Et là aussi, des célébrités ont pris position, à l'instar de Médine, Oshie, Angèle, Clara Luciani ou Lena Mafouf.